Le thème des médias occidentaux, c'est que les Russes bloquent Marioupol et empêchent les civils de sortir, et aussi qu'à cause des Russes, la vie est impossible. Je présente une brève vidéo là-dessus aussi, et puis on la commente. И Азов, азовцы дали люди уезжать из города. Никто никому ничего не давал. Мы до всех до последней минуты не знали, что можно куда-то выехать. Мы нашли там какой-то приемник через Powerbank, мы его подсоединили, потому что там нужны батарейки. Хорошо, что чуть-чуть голова соображает. Мы ловили с какую-либо станцию, ну в основном Украину мы не ловили, ловили с народной, да, Донецкое, российское радио. И вот оттуда мы кое-какую информацию узнавали, в основном только оттуда. Да, сказали, что есть какой-то коридор на Новоазовск, и опять же мы узнаем, что вы начали выезжать машины, их просто отсюда подстрелили, то есть Украина их сразу расстреляла. Поэтому ну, куда-то соваться, что-то делать вообще ну, никак. Так что вы, у вас были информации, что азовцы стреляли людей, которые пытались уезжать из Мариуполя? Не знаю, азовцы, но знаю, что Украина отстреливала. Это просто колонна расстреливала. Украинская, да, информация. Après cette vidéo, qu'est-ce que vous dites sur les couloirs humanitaires? Est-ce que c'est vraiment les Russes qui empêchent les gens de sortir? Est-ce que c'est logique aussi? Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que, de toute façon, ils se retrouvent seulement face aux milices nazies et aux soldats? La Russie n'empêche pas du tout, je veux dire bien au contraire. D'ailleurs, on le voit, les premiers civils qui ont pu évacuer de Mariupol ont réussi à le faire grâce à l'avancée en fait de l'armée russe et de la milice populaire de la RPD. C'est-à-dire qu'une fois qu'une zone a été prise sous leur contrôle, les gens ont enfin pu évacuer avec l'aide des soldats, des forces armées russes et de la RPD. Donc vraiment, le but clairement des Russes, c'est de pouvoir évacuer les civils, parce que clairement ça gêne, ça les empêche d'avancer, parce que tout simplement les soldats ukrainiens les utilisent comme boucliers humains. Donc l'intérêt clair de la Russie, c'est de pouvoir sortir les civils. Bon, mais ça c'est tout à fait logique. Je veux dire, il suffit voilà. Même à distance de raisonner. C'est pas l'intérêt des Russes d'avoir des civils dans le chemin. Donc comment ça se fait que les médias ici continuent à dire que c'est les Russes qui empêchent les gens de sortir? Parce qu'il faut continuer à donner l'image du méchant à la Russie, parce que s'ils expliquent que c'est les soldats russes qui aident les civils à évacuer, s'ils leur expliquent que la Russie met à disposition des autobus, que les gens sont accueillis dans des centres où on leur donne enfin à manger et à boire, alors que les soldats d'Azov n'ont rien donné aux civils dans les zones qui sont sous leur contrôle. Si vous expliquez que les Russes les aident voilà, à pouvoir ensuite se mettre à l'abri, soit à Donetsk, soit à Rostov, ou à même pour ceux qui le veulent partir pour Zaporogie, bah forcément tout le narratif il s'effondre un peu quoi, hein. Il faut présenter les soldats russes comme des méchants sanguinaires, on le voit là avec les accusations massives de viols sur des Ukrainiennes par des soldats russes qui sont étayés par rien du tout en fait, donc c'est vraiment la diabolisation voulue de la Russie. Donc non, les Russes n'empêchent pas du tout. J'ai pu le voir donc à Biezimenoye, puis ensuite à Mariupol même, hein, puisque je suis allé dans la partie ouest de la ville, la partie qui venait d'être libérée par la Russie, et on avait un flot ininterrompu de voitures, de gens à pied qui fuyaient enfin la ville, et qui disaient clairement que les soldats ukrainiens ne les ont pas du tout informés qu'il y avait des couloirs humanitaires. Les rares qui ont réussi à avoir l'information l'ont eu parce qu'ils avaient un petit poste radio qui leur avait permis de capter une radio soit de la RPD, soit de la Russie, où là, ils parlaient des couloirs humanitaires, mais les gens ne savaient pas où ils devaient se rendre, etc. Donc, non, c'est grâce à l'avancée russe qu'il y a maintenant, il y a déjà, je crois, plus de 60 ou 70 000 personnes qui ont réussi enfin à évacuer Mariupol. Je veux dire, avant ça, c'était zéro, donc on voit bien que la Russie ne bloque pas du tout les gens, bien au contraire, vraiment, vraiment pas du tout. Les gens d'ailleurs remercient la Russie, j'ai fait des interviews, voilà, les gens disent merci, merci de nous avoir sortis de là,
Ça a été le même cas à Volnovakha, où la milice populaire, où on a perdu un commandant d'une unité, parce que justement, ils étaient en train de couvrir l'évacuation des civils, et les soldats ukrainiens ont tiré sur eux, et donc ils ont tué le commandant de cette unité. Bien, donc pour vous, en fait, ce sont les nazis et les forces de Kiev qui veulent s'abriter derrière des civils, et c'est pour ça qu'ils veulent pas les laisser partir. Non, alors, c'est pour ça qu'ils installent leurs points de tir dans les écoles, dans les hôpitaux, au pied des immeubles. J'ai interviewé hier des gens qui venaient justement de fuir Mariupol, qui étaient à Volodarskoye, un village qui est non loin. Village d'ailleurs où, dans le monastère, les soldats ukrainiens avaient pris en otage 300 personnes. Et les forces russes ont réussi à libérer les 300 civils sans qu'il y ait de victimes côté civil. Donc je peux vous dire que ça a été une belle démonstration du fait que les Russes ne s'en fichent pas du tout des civils ukrainiens. Et donc des gens m'ont dit que non seulement les soldats ukrainiens installaient leur poste de tir dans les appartements, donc ils évinçaient les gens de leurs appartements et leur disaient « vous dégagez, on s'installe là ». Mais en plus, ils ont aussi parfois installé leurs pièces d'artillerie pour tirer près des entrées, des abris anti-bombardement où se trouvaient des femmes, des enfants et des personnes âgées.